الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des envoyés. Allahumma allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa zidna ilma wa na'udhu bika min hali ahli an-nar. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous préserve de l'état des gens de l'enfer. أما بعد فإن الرجل الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب. ففي صحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الشديد من غلب الناس ولكن الشديد من غلب نفسه. هذا الحديث خفيف على اللسان لكن العمل به متروك عند أكثر الناس، قليل من الناس من يعمل بهذا الحديث. L'homme qui est fort, c'est celui qui arrive à se contenir en état de colère. Il a été rapporté dans le Sahih de Ibn Hibban, d'après Abdullah ibn Umar, que Allah l'agrée lui et son père, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, ce dont nous comprenons en français, celui qui est fort véritablement, ce n'est pas celui qui arrive à vaincre les gens dans un combat au corps à corps, par exemple. Celui qui est fort véritablement, c'est celui qui arrive à avoir le dessus sur son âme. Ce hadith est facile à dire, mais l'appliquer est quelque chose qui n'est pas ce que le maximum de personnes font. Peu de gens appliquent ce hadith. وهذا الحديث الذي ذكرنا إذا قارن الإنسان على العمل به يصل إلى درجة عالية. فينبغي أن يردده الإنسان في قلبه على الدوام. على الاستمرار حتى يكبح لجام نفسه الخبيثة ويؤدب نفسه به. Ce hadith qui a été cité est un secret pour la personne qui l'applique. Un secret qui lui permet d'atteindre les hauts degrés. Il convient ainsi à la personne de se le remémorer souvent dans le cœur afin de freiner les passions de son âme qui l'appelle au mal et afin de s'éduquer soi-même. الإنسان تعلو درجته عند الله بحسب صبره، لذا علينا أن نعصي شيطاننا، لأن الشيطان يحث الإنسان على أن يكون هو الغالب إذا خاصم. وإذا شاجر إنسانا يقول له كن أنت الغالب لا تكن أنت المغلوب. C'est en fonction de la patience que l'homme s'élève en degré selon le jugement de Dieu. Pour cela, nous devons contredire notre shaitan. Le shaitan incite l'homme à avoir le dessus lorsqu'il se dispute. Il lui dit sois toi le plus fort. Essaye de vaincre, ne sois pas perdant. فالخير للإنسان أن يخالف شيطانه وهو نفسه.
من خالف شيطانه وخالف هوى نفسه فقد أفلح عند الله تبارك وتعالى. هؤلاء الأولياء ما صاروا أولياء إلا بمخالفة النفس. Celui qui contredit son shaitan et qui contredit les passions de son âme, il aura réussi selon le jugement de Allah. Ce sont les saints, les walis. Les walis, ils n'ont atteint leur degré qu'en contredisant les passions de leur âme. لا أدب أحسن من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاه الله عنا أحسن الجزاء عن أمته. فإن تعويد النفس على تحمل أذى الغير يكون وسيلة إلى الدرجات العلى، وهو عظيم النفع في معاملة الناس بعضهم بعضا. Il n'y a pas de meilleure éducation que celle du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Que Dieu le rétribue pour sa communauté de la meilleure rétribution. Habituer son âme à supporter la nuisance des autres est un moyen d'atteindre les hauts degrés. Et c'est quelque chose qui est fort utile quand on a affaire aux gens. فإن من كف نفسه عند الغضب أنقذ نفسه من مهالك كثيرة. وهذا الأمر أي ترك الغضب يحتاج إلى مخالفة النفس، لأن النفس تحب أن تعلو على الغير، بحيث إذا إنسان سبه يريد أن ينتقم منه بأكثر مما سبه، أو بدل السب يضرب وقد يقتل. Celui qui arrive à contrôler son âme lors de la colère, il l'aura préservé de nombreuses épreuves. Délaisser la colère nécessite de contredire les passions de son âme, car l'âme aime avoir la supériorité sur les autres. Ainsi, si quelqu'un l'insulte, il veut se venger de lui. En l'insultant, plus qu'il ne l'a fait. Ou peut-être, au lieu d'insulter, il va frapper. Et il se peut même qu'il tue. الرسول صلى الله عليه وسلم مدح الذي يغلب نفسه. وقال إنه هو الشديد. أي من حيث المعنى. هذا الذي غلب نفسه هو الشديد. وذلك لأن كثيرا من الفساد والمعاصي تحدث من عدم كظم الغيظ وحب الاستعلاء على الناس وحب قهر الناس. Le messager صلى الله عليه وسلم a fait l'éloge de celui qui arrive à avoir le dessus sur son âme. Et il a dit que c'est celui-là qui est véritablement fort. En effet, beaucoup de mal, beaucoup de péchés se produisent parce que les gens n'étouffent pas leur colère, parce que les gens aiment avoir la supériorité et dominer les autres. فإذا الشخص عود نفسه على أن يصبر ويكظم الغيظ ولا يبالي بأن يقال فيه هذا عاجز، هذا شتم فلم يرد، ضرب فلم يضرب، هذا عند الله أفضل. Si quelqu'un s'habitue à patienter et à étouffer sa colère, sans prêter attention à ce que les gens pourraient dire de lui, comme par exemple, il est incapable, il a été insulté, il n'a même pas été capable de répondre, il a été frappé et il n'a rien fait, quelqu'un qui étouffe sa colère a un jugement meilleur selon le jugement de Dieu. الذي يكف نفسه يغلب نفسه أي لا ينتقم مع الاستطاعة هذا الغالب هذا القوي عند الله.
Celui qui arrive à se contenir, celui qui ne se venge pas alors qu'il est capable de le faire, c'est celui-là qui est le meilleur selon le jugement de Dieu. يستطيع أن يسب كما سب أو أزيد أو يضرب كما ضرب أو أزيد لكن لله تعالى يغلب نفسه فيكف عن الانتقام باللسان وبالفعل هذا عند الله تعالى أفضل. Lui, il était bien capable d'insulter tout comme il a été insulté. Il peut même insulter plus ou frapper comme il a été frappé, ou plus encore. Mais pour l'agrément de Dieu, il se contrôle. Il étouffe sa colère. Il s'abstient de se venger par la parole et par les actes. Dans ce cas, il est meilleur selon le jugement de Dieu. لأن الإنسان إذا نظر إلى غضبه واتبع موجب الغضب يقع في المهالك. Ainsi, si l'homme va suivre sa colère et manifester sa colère, alors il va se retrouver dans ce qui va le mener à sa propre perte. الغضب يؤدي إلى هلاك كبير. يؤدي إلى قتل حبيبه وإلى قتل صديقه وإلى قتل قريبه وإلى مقاطعة أهله وأصدقائه. وأخبث من ذلك أنه قد يؤدي إلى الخروج من الدين إلى الكفر الذي ليس فوقه شر هو رأس الشر فطوبى لمن عمل بهذا الحديث. La colère peut entraîner des dégâts considérables. La colère peut amener à tuer quelqu'un qui est cher. La colère peut mener à tuer son propre ami ou son proche parent, ou à rompre les relations avec ses amis ou ses proches parents. Et pire encore, la colère peut entraîner à sortir de l'islam, car le fait de sortir de l'islam, c'est le pire des choses qui puissent arriver à quelqu'un. Bonheur donc à celui qui a appliqué ce hadith. اللهم ثبت قلوبنا على دينك اللهم ثبت قلوبنا على دينك اللهم ثبت قلوبنا على دينك. Ô Allah, fais que nos cœurs persévèrent sur la religion que tu agrées. Fais que nos cœurs persévèrent sur la religion que tu agrées. Fais que nos cœurs persévèrent sur la religion que tu agrées. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.